Bonjour les sixièmes, je filme cette vidéo pour vous aider dans l'assimilation du vocabulaire en lien avec la leçon sur les talents. Donc, le vocabulaire en lien avec la leçon sur les talents couvre différents champs. Donc, il y a le champ ou le domaine sportif, le domaine musical, le domaine artistique et le domaine pratique, entre guillemets. Donc, je vous propose de répéter le vocabulaire après moi et de le mémoriser au fur et à mesure. Et une fois que vous pensez maîtriser le vocabulaire, vous le récitez sur la feuille avec les images comme ceci, qui est collée dans le cahier pour le challenge de vocabulaire dans quelques jours. Donc, challenge de vocabulaire, plus il y a de mots corrects, plus la note est élevée. Et plus vous pouvez gagner un bonus de 20 sur 20 en plus de votre note. Allez, c'est parti. Dance. Play football. Qui se décline à l'envi. Play football, play rugby, play tennis, play volleyball, ce genre de choses. Donc dance, play football. Swim. Snorkel. Surf, windsurf, ski, snowboard, ice skate, ride a bike, ride a horse. So, dance, play football, swim, snorkel, surf. Windsurf, ski, snowboard, ice skate, ride a bike, ride a horse. Là, je vous propose de mettre la vidéo en pause et de voir les mots de vocabulaire que vous pouvez restituer sans faire de faute d'orthographe. Domaine suivant. Musical field. Sing, play the guitar, play the drums, play the violin, violin, play the violin. On a également dans la carte mentale du vocabulaire collé dans le cahier, play the cello, compose music. Sing, play the guitar, play the drums, play the violin, compose music. De la même manière, vous pouvez mettre la vidéo en pause et voir si vous arrivez à restituer les différents mots de vocabulaire. Artistic field. Draw. Paint. Take pictures. Alors, surtout pas URS, mais US. Take pictures. Do puzzles. Juggle. Mime. Act. Draw. Paint. Take pictures. Do puzzles. Juggle. Mime. Act. Pareil, vous pouvez mettre en pause pour voir si vous arrivez à restituer les différents mots de vocabulaire. Finally, practical field, donc tout ce qui a à voir avec ce qui est manuel. Shoot arrows. Shoot arrows. Play chess. Play chess, play drafts, jouer aux dames, play drafts. Donc le A-U-G-H-T-S, vous imaginez que c'est D-R-A-F-T-S, play drafts, play darts, use a computer, cook. Shoot arrows, play chess, play drafts, play darts, use a computer, cook.
Et là, pareil, une dernière fois, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour voir ce dont vous vous souvenez, si vous arrivez à retenir tout le vocabulaire. N'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois, plus d'une fois, pour bien assimiler la prononciation. Bon courage, à très vite. Bye bye!